Je m'appelle Aurora. Ma première rencontre avec les Français a eu lieu durant l'hiver 1897. J'ai conservé le petit carnet de ma mère. Et à la date du 17 février, elle a écrit « Vegna Opa Péturs Gamla hafðu konunnar fært sig að gluggunum. » Les femmes s'étaient approchées des fenêtres à cause des cris de Pieter le Vieux. Il descendait de la falaise qui domine les aiguilles. Il ressemblait à un fantôme à cause de la neige. Il avait aperçu plusieurs voiles qui essayaient de s'échapper. Mais il était trop tard. Le vent les poussait à la côte. Sigurdur, mon mari, m'a embrassée avant de rejoindre les autres pour se préparer. Ils ont enfilé leurs vêtements de peau huilée. Les sauveteurs ont essayé à plusieurs reprises de mettre la barque à la mer. Les Français étaient de retour. Jean-Yves, surtout fais bien attention à toi. Les paroles de ma mère, elles sont toujours là dans ma tête. Les Islandais, c'est comme ça qu'on nous appelait, les Islandais avaient quitté les quais de Paimpol depuis 10 jours. La Violette se balançait lentement. Sa vieille coque faisait entendre comme une plainte monotone. Le 12 février, la terre de glace est en vue. Le 13, c'est mon anniversaire, 17 ans aujourd'hui. Je regarde ma couchette, on dirait la niche d'un caveau pour les morts. Quand je repense aux paroles de notre armateur le jour du départ, la pêche à Islande, c'est la richesse du pays. Pour sûr, j'ai fui la misère, mais j'ai froid et j'ai peur. Le 14 février, le ciel est gris mais le vent affaibli. Nous commençons la pêche. Et sommes assez heureux, nous prenons plusieurs morues. Le 15, il fait noir, comme nuit. Nous sommes sous un orage, qui a la panse pleine de grêle et de vent. Le 16 février, un coup de mer arrive sur le pont et emporte tout ce qui s'y trouve. Grand Louis s'est entaillé profondément la main avec son couteau. Le capitaine est furieux d'avoir déjà perdu un trancheur. Le 17, la vie à bord est très rude. La Violette craque de toutes parts. Nous nous rapprochons dangereusement de la côte. Ce matin-là, comme chaque matin, je devais aller chercher de l'eau. Ma mère était déjà partie. Les mains serrées sur les seaux, je me suis dirigée le plus vite possible vers la rivière, en suivant ses traces. J'étais pressée de voir ces hommes qui étaient tellement gentils avec les enfants. Je n'avais qu'une envie, connaître le goût des biscuits. Seuls, les cris des pétrels indiquaient la présence des naufragés.
ils étaient rassemblés autour de leur camarade mort. Aidés par les hommes du village, les Français ont transporté le corps jusqu'à la ferme la plus proche. Le lendemain, ils l'ont enterré dans le petit cimetière. Je crois me rappeler que c'est cette tombe-là, ou peut-être celle-ci. Bien sûr, je pensais à Grand Louis. Avec sa main abîmée, il n'avait pas pu lutter comme nous autres. Au moment de l'échouage, sa tête avait heurté violemment la lisse. J'avais tellement souffert ces derniers jours que là, devant cette croix, j'étais reposé. Pour la première fois, j'ai pensé que la mort, ça pouvait être une délivrance. Je n'étais pas triste. Je souriais à la petite fille qui tenait sa poupée serrée contre elle. Elle s'appelait Aurora et elle me suivait partout. J'aurais tellement voulu lui parler. Quand les Français sont repartis, j'étais très triste. Je me suis consolée un peu en mangeant les biscuits. Je crois avoir compris ce jour-là que mon destin était tracé. Dix ans plus tôt, à la fin du mois d'avril de l'année 1886, une grosse goélette française s'était abîmée sur les récifs de Twisker. La goélette était arrivée depuis peu de temps. Elle était pleine de richesses. Les pommes de terre, le lard, le sel, le bon pain français, le vin rouge, le cognac, des lignes, des hameçons, des voiles, des cordes, du bois. Ce bois si rare en Islande. Ce fut inespéré et merveilleux. Trois jeunes couples de fiancés ont décidé de se marier. Parmi eux, mon père et ma mère. On avait planté une grande tente à côté de la ferme. La tente était faite avec les voiles de la goélette. Combien de fois ma mère m'a-t-elle dit, en souriant, que le drapeau français de la goélette qui flottait au bout du mât avait salué leurs amours. Ma mère a toujours pensé que les naufrages étaient des signes. Dans la chapelle du village, elle avait toujours vu la figure de proue d'une goélette anciennement échouée. Ce buste de femme était magnifique. Le bateau s'appelait Aurora. En m'appelant Aurora, ma mère avait placé ma vie sous le signe des naufrages. Au début de ce mois d'avril 1899, le village s'apprêtait à fêter Pâques. On peut dire que le drame était annoncé. Notre voisine s'appelait Ranka. Le matin du 4 avril, elle s'était levée de bonne heure pour chauffer le café. Hjörleifur, son mari, lui avait demandé « Alors le naufrage, celui dont tu as rêvé, tu le vois ?» Elle s'était dirigée vers la fenêtre et elle avait simplement dit « C'est arrivé. » Já, það var út af því að þeir voru að messa, það hafði verið C'est arrivé pendant qu'ils étaient à la messe, à bord du bateau. Pendant trois jours, il y avait eu beaucoup de vent et puis, tout d'un coup, il s'était mis à faire beau.
L'équipage n'avait pas affaissé les voiles puisque le temps était calme. Et c'est au moment du service religieux qu'ils ont réalisé que le Saint-Paul était posé sur le sable. Il était échoué à proximité de la côte, là où c'était un peu profond. En tout cas, ça l'était à l'époque. Et ils étaient bien sur la plage. Voilà, nous arrivons ici à l'église de Langholt à Medaland. Et les lampes que nous voyons là viennent de ce bateau, le Saint-Paul. Les premiers hommes du village qui sont montés à bord les ont vus encore allumées dans la chapelle du bateau. Et on peut dire qu'elles ne se sont jamais éteintes depuis ce temps-là. Elles ont été données avec les candélabres qui sont sur l'autel. Ah, bien sûr, c'était des lampes à huile, elles ont été électrifiées en 1974 ou 1975. Et le fait qu'on utilise encore cet éclairage aujourd'hui, c'est vraiment le signe d'un lien particulier. Les naufragés récupéraient à bord toute la nourriture qui pouvait l'être. Et on les accueillait ici, dans la ferme de mes parents, qui était plutôt riche à l'époque. Même si l'état dans lequel on la voit aujourd'hui montre un peu le contraire. En tout cas, on prenait à bord tout ce qui pouvait servir à les accueillir. Dans cette situation, on utilisait également le fourrage ainsi que les draps des fermes voisines. Derrière les poutres se trouvaient les couchages pour les blessés ou pour les malades. Et puis ici se trouvait le traditionnel métier à tisser. Et le plancher existait sur toute la longueur et là-bas, devant la lumière, il y avait la place pour le travail. Mon père a reçu une médaille du gouvernement français à la suite du sauvetage des équipages des bateaux échoués. Rapport du capitaine Théophile Lacroix, commandant du Saint-Paul. Recueilli dans le village de Rofabet, à quelques kilomètres du point où s'était produite la catastrophe, l'équipage, aussitôt réconforté, revint au lieu du naufrage. La remise à flot du navire paraissait impossible, la mer l'ayant poussé loin dans les sables. On procéda donc au sauvetage de l'armement.
Pendant les 10 jours que dura ce labeur, les autorités islandaises s'occupèrent de procurer aux naufragés les moyens de gagner Reykjavik. 100 chevaux et 10 guides furent réunis et l'on commença un voyage pénible de 400 kilomètres qui dura 8 jours sur la neige. Loftur, l'un des hommes qui avait participé au sauvetage, m'a dit que les discussions et les tractations avaient duré 1 semaine. Le capitaine du Saint-Paul accepta la vente de tous les biens éparpillés sur les sables. Dans tout le pays de Meadowland, on ne parlait plus que du naufrage de ce magnifique bateau. La date du 12 avril fut fixée pour la vente. Je pense que c'est plus de 300 personnes qui se réunirent ce jour-là. Et je crois que tous les acquéreurs ont regardé leurs nouveaux biens comme des choses sacrées. Ce banc, il vient du Saint-Paul. Il a été acheté aux enchères de Meadowland après le naufrage et transporté jusqu'ici à cheval. C'est ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère, Olof et Gisli, qui l'ont acheté. Tout le monde l'aime bien, ce banc. Il fait partie des objets de famille. Oui, c'est vrai. Et lorsqu'il y a des invités, ils veulent tous s'asseoir ici sur le banc. Quelqu'un qui rentre ici dans la cuisine ne s'assoit jamais sur les chaises en face, mais toujours sur le banc. On peut dire qu'il attire les gens à lui. Ce meuble vient du Saint-Paul. Le bateau hôpital qui s'est échoué il y a presque un siècle. Je ne me souviens pas exactement de l'année. Il faisait partie de l'infirmerie du bateau. On y gardait les médicaments. C'est cet homme, Gisli Gislason, de la ferme de Greuf, qu'il a acquis aux enchères. C'est aujourd'hui une véritable antiquité. J'éprouve des sentiments pour ce buffet. Cette maison a été construite dans la région de Skaftafell. Elle est construite presque entièrement avec du bois de flottage. Cette poutre, par exemple, a été récupérée sur la côte. C'est un bois très âgé. Là, nous sommes dans la pièce principale de la maison. Et ce qu'il y a d'important, c'est que tous les panneaux de bois ont été faits à partir des mâts du navire hôpital Saint-Paul. On les a débités, on en a fait des planches. C'est un bois extraordinaire. Quant à moi, êtes-vous un naufragé? Je l'ai encore, le petit guide franco-islandais. Avez-vous faim? C'est le pasteur du Saint-Paul qui me l'avait donné. Oui, j'ai faim. Juste avant le départ de la caravane. Non, je n'ai pas soif. Avez-vous besoin d'assistance? Avez-vous besoin d'assistance? Oui, parce que un de mes
matelot et Já, à la jambe cassée et un autre est mort. Og annar er dauður. Oui, parce que l'un de mes matelots s'est caché la jambe et l'autre est mort. Dans les années qui suivirent, lorsque je rencontrais des marins français, ils étaient très étonnés de m'entendre parler leur langue. Lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de rejoindre Vágsgrósfjörður sur la côte est. Les Français étaient très nombreux au début de l'été. Ils avaient leur cimetière, leur hôpital, mais aussi leur maison de famille. Je pensais pouvoir me rendre utile là-bas. Bien sûr, on apercevait tout de suite les goélettes. Il y en avait partout dans le fjord. Leurs lignes, leurs voiles, c'était une vision magnifique. Je m'appelle Nanna Steinum. Et je suis née dans le sud-est du pays. Mes parents ont vécu là-bas jusqu'en 1923. Je suis née en 1913 et j'avais donc 10 ans lorsque nous sommes arrivés à Fáskrúts. Je me souviens très bien des pêcheurs français quand ils venaient ici, près de la maison, pour s'approvisionner en eau. Ils remplissaient des tonneaux et puis ils les laissaient flotter dans le fjord, vers les goélettes, avant de les hisser à bord. Pour nous, les enfants, c'était très divertissant. Nous aimions les voir. Et ils avaient à la taille sous leur ceinture des biscuits qu'ils nous proposaient. Puis, dans le village, il y avait l'hôpital construit en 1903. J'étais très impressionnée lorsque je me promenais à cet endroit. À l'époque, les rues étaient étroites. Et là, il y avait derrière l'hôpital une petite maison qui m'intriguait beaucoup. En fait, c'était la morgue. C'est ma 10e campagne à Islande. Ma 4e à bord de l'Anna. Aujourd'hui, 6 mars, le moral de l'équipage est au plus bas. Nous enterrons 2 de nos camarades. Yves était mort 3 jours plus tôt. Le capitaine n'avait pas voulu qu'il s'en aille par le chemin des morues. Son corps reposait donc au fond du canot à côté de celui de Jean-François. Un autre marin qui était mort ici, à l'hôpital. Le convoi mortuaire glissait doucement sur les eaux calmes du fjord pour rejoindre le cimetière qui avait été aménagé à l'écart du village. Il y avait déjà plus de 40 croix. Nous avons travaillé dur pour creuser les 2 tombes dans la terre gelée. Le lendemain, notre mousse est tombée malade à son tour. Je l'ai accompagnée à l'hôpital français. Le docteur Johnson, le directeur, a appelé une jeune femme du nom d'Aurora.
Les souvenirs et les sentiments m'ont serré la poitrine. Mais je devais partir. Chaque jour où nous ne pêchions pas, l'armateur, il perdait de l'argent. Et ça, le capitaine, il savait bien nous le dire. Oh, les mouches! C'était vraiment de très jeunes enfants. Il m'est arrivé de me demander pourquoi des hommes si gentils avec nos enfants ici, en Islande, pouvaient accepter de faire souffrir autant leurs propres enfants. Ils restaient entre eux. Ils ne jouaient pas avec les enfants du village. Je me rappelle quand je partais avec mon père. Parfois, il prenait jusqu'à 20 lettres à bord d'une goélette. Les jours de mauvais temps, il avait peur de s'approcher trop près. Alors il utilisait une bouée qu'il poussait vers les bateaux. Les Français le connaissaient bien et ils reconnaissaient son bateau de loin. Ils étaient toujours au rendez-vous. Ils arrivaient en mai, à la mi-mai souvent. Ils restaient longtemps, parfois jusqu'à 3 semaines. On faisait du commerce avec eux. Ils étaient gentils. Et gourmands de loup. Ils en voulaient toujours du loup de mer. Je ne sais pas s'ils le salaient, mais ils en voulaient tout le temps et beaucoup. La principale monnaie d'échange était l'alcool. Les occasions de boire étaient nombreuses, sauf à la maison de famille, où c'était interdit. Très peu parmi ces hommes savaient écrire. C'était le rôle de l'abbé. Je me méfiais de cet homme. Comment oublier sa première visite à l'hôpital? Je regrette que l'infirmière française de Fasskrutz ait été envoyée en remplacement de celle de Reykjavik rentrée en France, en congé. Nos matelots n'aiment pas être soignés par des servantes ignorant leur langue. Par ailleurs, je déplore la présence d'un pasteur protestant à la sépulture de nos deux marins le mois dernier. Que penseront les mères chrétiennes de ces pauvres hommes? Je suis heureux de constater que les pêcheurs d'Islande sont restés tels que je les ai connus autrefois. Braves, toujours. Des hommes de cœur et de foi. Ici, au moins, on ignore la triste politique. Les cœurs s'unissent dans l'amour de la famille, de la France et de la foi chrétienne. En 1913, le docteur Georg Schön,
me recommanda auprès du directeur de l'hôpital français construit aux îles Westman. Mademoiselle Hamon, l'infirmière, m'attendait sur le port de Haimei. Cette femme très dévouée était paimpolaise. L'hôpital, un petit pavillon en bois, contenait trois salles de trois lits pour les malades. Lorsque j'ai commencé mon travail, Mademoiselle Hamon m'a invité à lire le registre de l'hôpital. Le premier équipage français qui avait été soigné dans l'établissement avait été recueilli après le naufrage d'une goélette baptisée Aurora. Mon destin me poursuivait et j'ai simplement pensé que j'étais là où je devais être. Rapport du lieutenant de vaisseau Ferret, commandant du navire hôpital Notre-Dame de la Mer. Aujourd'hui, 11 avril. La tempête fait rage dans le sud de l'Islande. La Notre-Dame de la Mer était venue se réfugier dans la petite baie d'Aimée. Dans les éclaircies, entre deux tourmentes, on apercevait les goélettes françaises tenant péniblement la cape en se rapprochant le plus de l'île afin d'y trouver un abri. Vers 9 heures, au plus fort de l'ouragan, j'aperçus sous le vent du mouillage une goélette avec le pavillon français en berne et le pavillon de quarantaine en tête de mât. Aucun doute, ce navire avait un malade gravement atteint. Bientôt, je pus reconnaître l'Alcyon de Paimpol. Au passage à la poupe du navire, au milieu des mugissements de la tempête, le capitaine Breton m'indiqua que son second venait de se briser la jambe. Après plusieurs essais infructueux, le coup de roulis attendu se produisit. Sur la crête d'une lame, le Doris vint à la hauteur de la lys. Le cadre fut saisi vivement, sans à-coups et sans heurts, puis embarqué et déposé sur notre pont. À midi, notre blessé reposait à terre. Cet homme s'appelait René. Il était agité. Dans son délire, il se tournait constamment dans son lit, avant de se réveiller brutalement en criant « Joseph, au nom de Dieu !» Joseph était son jeune frère. Il était mort lors de leur première campagne à Islande, comme il disait. Lors de mes promenades sur l'île, au milieu d'un immense tapis de morue qui séchait, je repensais au terrible destin de ces deux hommes, embarqués sur une goélette qu'on avait baptisée « Deux frères ». René n'a pas survécu à ses blessures. Juste avant de mourir, il a essayé de m'expliquer où il avait édifié la tombe avec l'aide de ses camarades. Il se souvenait simplement des entrailles de baleines qui flottaient dans le fjord. On m'avait parlé du port baleinier de Tálknafjörður. À la fin de l'été, dès la fermeture de l'hôpital, je décidai de faire le voyage pour rejoindre ce fjord au nord-ouest du pays. Aujourd'hui encore, je suis surprise de la précision de mes souvenirs. L'entrée du fjord ressemblait à un énorme chaudron. Les vapeurs de graisse semblaient sortir directement de la grande cheminée.
Le vacarme des treuils et des palans rythmait le ballet des hommes qui découpaient la bête. Il ne m'a pas parlé, simplement regardé. L'homme mystérieux m'a invité à monter dans une barque. Il a ramé longtemps, en silence. L'endroit était très isolé. Au fur et à mesure que nous approchions, mon émotion grandissait. Je n'avais jamais vu Joseph qui reposait sous cet amas de pierres. Mais, d'une certaine manière, je le connaissais. René m'avait raconté tellement de souvenirs. Je viens ici une fois par semaine pour voir si tout est en ordre. Je le fais depuis 25 ans et je regarde s'il faut consolider la tombe, si les pierres sont tombées. Ça a commencé lorsqu'un jour, j'ai rêvé d'un vieil homme qui me demandait d'entretenir sa tombe. Il y avait beaucoup de marins français qui venaient dans le fjord chaque année. Et mes tantes et mes oncles et mon père me racontaient toujours des histoires là-dessus, que quand les marins français venaient chercher de l'eau dans la vallée de Joyeux, ils se dispersaient dans les collines comme des moutons, parce qu'ils venaient cueillir des pissenlits qu'ils savaient plein de vitamine C. Ils aidaient, évidemment, ils n'avaient pas de légumes. Et les Islandais trouvaient ça très, très curieux, parce que les Islandais ne mangent pas les pissenlits. On avait composé des phrases qu'on utilisait pour communiquer avec les Français. Et on essayait d'imiter le son français. Mon père citait, par exemple, « Voulez-vous, monsieur Pou ?» Ça ne veut rien dire en français, mais c'est drôle parce que celui qui racontait l'histoire, j'ai rencontré un Français et je lui ai dit « Voulez-vous, monsieur Bou, acheter un morisseuil qui marche sur l'Arébiarg ?» On a imité le son, mais c'est oublié maintenant. Mes compatriotes les ont reçus comme quelqu'un qui venait de loin,
qui était exotique, qui parlait une langue exotique, étrangère. Et ils ont vite réalisé qu'on pouvait faire des échanges. On contactait les propriétaires ou les responsables des falaises aux oiseaux de la Trabiang. En particulier pour obtenir la permission d'aller ramasser les œufs. Certains capitaines revenaient d'année en année, au printemps, lorsque les oiseaux avaient commencé la ponte. En contrepartie, les Islandais recevaient des biscuits, des lignes, des plombs ou des hameçons, car les paysans pratiquaient aussi la pêche. Ils sortaient avec leur bateau. Et quittaient leur domicile pour aller dans le centre de la pêche chaque année. Alors ils pouvaient parler, discuter à la fois comme paysans, deux paysans, et aussi comme des pêcheurs, comme des marins. Í safninu eru tölvuskrásettir 2933 hlutir. Dans ce musée, il y a près de 3000 objets répertoriés. En fait, il y en a beaucoup plus. Mais je manque de place. Beaucoup ont un rapport avec la mer et certains sont liés au passage des marins français. Et lorsqu'on y regarde de près, on s'aperçoit que les liens entre les Français et les Islandais sont plus étroits encore. Comme l'a dit Halldór Laxness dans l'un de ses articles, Islande et France, la vie et la mort se côtoient. 10 Français ont succombé au bord d'une plage isolée et le pasteur les enterre près de l'église abandonnée, rongée par les sables. Mais que seulement 2 d'entre eux aient survécu après que leur voilier se soit abîmé dans la houle, et l'on peut être certain qu'après une génération, la région comptera 20 Français de plus. Oh, il y a toujours une réalité derrière le mythe, n'est-ce pas? Mais la réalité était qu'il y avait des naufragés, n'est-ce pas, qui passaient l'hiver dans les fermes. Il ne faut pas oublier que tous les fermiers, tous les hommes dans les fermes, partout en Islande, ils partaient aussi au mois de janvier, comme les marins français. Ils partaient vers la côte pour pêcher. Et les femmes étaient seules avec les enfants dans les fermes. Et on recevait des naufrages. Il n'y avait pas d'hommes aux fermes, dans les fermes. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'étais revenue dans le sud du pays. J'étais infirmière près de Hof. Un matin, un voisin est venu me chercher pour venir en aide à un groupe de naufragés. Dès mon arrivée, un homme s'adresse à moi. L'un de mes matelots s'est cassé la jambe et un autre est mort. Je suis restée silencieuse, sans réaction. Les mots du dictionnaire. J'avais tellement joué avec lorsque j'étais enfant que là, il me paraissait irréel. Aurora, je vous en prie. Ainsi, cet homme me connaissait
J'ai commencé les soins, mais j'étais troublée. Que dire de plus? J'étais dans ma 7e année quand c'est arrivé. Et moi, il me manquait un mois pour avoir 3 ans. Donc, je ne me rappelle plus très bien. Moi, je me rappelle bien de cette semaine. Un jour, à cet endroit précis, je me trouvais en compagnie de 2 jeunes naufragés. Ils dormaient tous les 2 dans la même pièce que nous. Je passais beaucoup de temps avec eux. Oh, ils étaient très joyeux. Je ne pouvais pas parler avec eux. Mais d'une certaine manière, on se comprenait. Un jour, ils m'ont donné une orange, et comme je n'en avais jamais vu, moi, je croyais que c'était une balle. Je me suis dirigé vers la maison en tenant cette balle comme il se doit, et j'ai croisé Gudni, la sœur de ma mère qui était la domestique à l'époque. Et je lui ai dit, ils m'ont donné cette balle. Mais c'est une orange, m'a-t-elle répondu, en m'expliquant comment il fallait la peler pour la manger. Je m'en souviens très bien, encore aujourd'hui, parce que c'était la première fois que je voyais une orange. C'était comme un trésor. Le jour du départ de la caravane, Jean-Yves n'est pas reparti. Rappelle-toi, Aurora, 27 ans que nous avons enterré Grand-Louis. 27 ans de souffrance et chaque année, l'espoir que ce sera la dernière. 2000 d'entre nous sont déjà morts ou disparus. C'est décidé, je reste avec toi. Ils ne célébreront pas mes noces avec la mère. Je n'ai compris le sens de ces mots que bien plus tard. Un été, au début des années 30, Jean-Yves m'a apporté un livre de Reykjavik. Le dernier chapitre commençait par ces mots. Il ne revint jamais. Une nuit d'août, là-bas, au large de la sombre Islande, au milieu d'un grand bruit de fureur, avait été célébrer ses noces avec la mère. J'étais fascinée par Pêcheur d'Islande dans ma jeunesse. On venait de le traduire en islandais et j'ai tout de suite réalisé que Pierre Loti n'avait jamais été en Islande parce qu'il décrit une lumière. Il fait une image de lumière dans le livre qui n'est pas islandais. La lumière est bleue en Islande, mais la lumière est très rose, souvent très rose dans le roman. Nous nous promenions souvent sur les plages de sable noir. Jean-Yves fixait l'horizon. Les voiles des goélettes étaient de moins en moins nombreuses, et puis elles disparurent. Complètement. La lumière blanche des nuits de cet été 1935 a chassé toutes les ombres qui obscurcissaient les rêves de Jean-Yves. Thank you.
Enn horfin, löngu horfin. Lagðu hvíl í landinu síunga. En áfram leikur þú á gróttuna, situr við haug minn, við gröf mína, mærin dökkaiga og leikur, með hafblik í brúsi tungskinni og merkisterkan eigum á brjóstum. En ég horfin, löngu horfin, lagður í hvíl í landinu síunga. Og vindarnir bera söng hafsins, söngur aldana, best af strengjum hafsins, inn yfir land, draum okkar. Leiktu enn og áfram á hörpuna gróttu, ástvina mín, með dökku öfugum. Leiktu enn.